6% de réduction sur vos crédits avec le code YOMAX. Attention, il y a des risques, checkez la description. Les mecs, aujourd'hui il va falloir être vif, on étoile les lunettes. Parce que aujourd'hui, va pas falloir bégayer. La dernière fois que j'ai fait une vidéo de gameplay, une manette et un écran en moins. Aujourd'hui les mecs, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez très bien. Je t'invite à cliquer sur le bouton j'aime tout de suite. On se retrouve pour un peu de Foot Champions, un très bon début de Foot Champions de mon côté, nouvelle mise à jour, tout ça, bah je maîtrise, j'ai l'impression, on va en parler pendant la vidéo, mais surtout, vous l'avez vu dans le titre certainement, nouvelle équipe. Et cette équipe tourne autour du seul, de l'unique, il phénoméno, Ronaldo. Et dans mon équipe, les mecs, on a investi sur, j'allais dire Cristiano, non, sur Ronaldo, Luis Nazario, de Lima, je sais pas si je le dis, mais on s'en fout les gars, 25 matchs, 24 buts, 10 passes D, j'ai bien testé, je commence à apprécier, nouvelle équipe de port, nouvelle équipe incroyable, Van Dijk, ciao, Ramos, hello, Kenny Lala, tout jeune arrivé, on l'a paqué avec MX18, vous avez vu la vidéo, j'espère que vous l'avez apprécié également, bien évidemment, Kenny Lala les gars, je kiffe, alors autant je kiffais pas du tout sa carte 86, le 87, c'est l'occasion de le tester, magnifique. Pour le moment c'est du pur plaisir. Marcelo à gauche et le reste vous connaissez, c'était déjà présent. Et Hazard fait son retour dans l'équipe. Et oui, j'ai décidé de me faire plaisir. Hazard c'est un de mes joueurs préférés cette année. Regardez, j'ai joué 635 matchs avec lui. C'est un de mes joueurs préférés. Donc je voulais le recaler dans mon équipe. Peut-être l'équipe finale, je sais pas si c'est l'équipe finale qui s'améliorera peu à peu, peut-être les versions, enfin une version meilleure de Gulli, de tout ça. Mais honnêtement là je me sens bien avec cette équipe, faut que ça dure, faut que ça dure. Et oui je me sens bien avec cette équipe, il est temps de vous afficher l'Overlay Foot Champion 12-1 les mecs. Ça faisait longtemps, j'avais pas fait un bon départ comme ça. Donc ce que je vous propose c'est qu'on continue tous ensemble Foot Champions, un ou deux matchs dans cette vidéo, pas plus. Ensuite je veux vraiment tryhard et me concentrer au maximum. D'ailleurs je pense que je vais parler moins que d'habitude dans cette vidéo. Et oui, Foot Champions, il faut gagner les mecs. Donc c'est parti, allons trouver un adversaire. Et j'espère que je pourrai vous montrer que cette équipe, je la gère pas mal du tout. Allez, c'est parti pour l'équipe de mon adversaire, la vie de ma mère. Pourquoi? Pourquoi? Il a une très belle équipe, une très jolie équipe. Oui, oui, je suis en train de me plaindre alors j'ai une équipe de foot. De toute façon, les équipes, ça veut plus rien dire. Ma parole, maintenant, c'est juste, t'es fort, tu joues bien, tu vas parvenir à gagner. Je sais pas, j'ai pas l'impression que mes joueurs, Ronaldo 96, il est au-dessus de tous les autres joueurs par exemple. Non, c'est un très bon joueur, certes, mais j'ai pas l'impression qu'il est au-dessus. Bref, la nouvelle mise à jour, la famille, je suis content. Parce que maintenant, je cherche plus uniquement le timing finish. J'en fais quasiment plus du tout. Maintenant, je cherche à construire, les gars. Je construis, je joue au vrai foot. Et qu'est-ce que c'est bon. Qu'est-ce que c'est bon. Donc cette mise à jour, je suis content. Et maintenant, les gars, je vais la fermer et je vais me concentrer pour bien jouer. Ok, ça commence bien, ça commence bien. Elle a failli me mettre une putain de frappe en pleine lucarne. Ça commence bien, super. Non, d'ailleurs, je vous ai pas parlé dans quel compo je joue de dispositif. Parce que vous voyez qu'il y a que Gullit hein, en milieu de terrain. Pur. Oh, la tête de ma mère. Oh, la tête de. Oh, bien joué la défense adverse. J'aurais dû décaler à droite pour Kylian. Il y a que Gullit en milieu de terrain défensif. En effet, je joue avec De Bruyne, MDC. La paire avec Gullit, la famille. Ronaldo qui se fait chier dessus, là, littéralement. Et du coup, ben, je vous parlerai peut-être de ma compo dans une prochaine vidéo. Si jamais ce week-end j'arrive à faire une bonne performance en Foot Champions, je pourrais aller peut-être vous présenter ma tactique perso dans une vidéo la semaine prochaine. Parce que c'est vrai que je l'aime bien ma tactique perso là ces derniers jours pour Foot Champions. J'aime bien l'équipe, j'aime bien la tactique perso. Donc je vous présenterai ça peut-être la semaine prochaine. Ok les gars. Oh, voilà super, 1-0 pour l'adversaire. Je crois que je vais casser la manette les gars. 1-0, elle est pas rentrée. Elle est pas rentrée. Jure elle est pas rentrée. Attendez les gars, laisse le ralenti frérot. Genre elle est pas rentrée. Poteau, elle a frôlé le poteau, mais je suis refait. Parce que là, je lui ai donné le but. Magnifique. Oh là 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 là, je kiffe. Allez, Mbappé. Termine. Termine, mon petit. Termine, Kylian. 1-0 pour nous, les gars. 15ème minute. Ça part sur les chapeaux de roue. Enfin, chapeau de roue, j'abuse parce que j'ai failli manger un but juste avant, vous l'avez vu. Yes, 1-0 pour l'équipe du Yo, du gros Yo. Bon, alors là, j'ai fait le timing, j'aurais pu m'en passer, mais voilà, hein, quand tu peux te permettre de le faire, fais-le, frérot, même si je trouve que c'est bien moins efficace qu'avant et que des fois, t'en fais et bah, des frappes toutes connes devraient rentrer, mais elles ne rentrent pas. Attention, les gars, voilà, c'est bon, ça. Ça, c'est bon, ça. Le vrai football, les 1-2, FIFA 18, les gars, vous connaissez les 1-2, vous connaissez les 1-2. Olé, Ol del Paso. Oh la récupération, la récupération, Neymar, Ronaldo, le Neymar, et la récupération, Neymar, Neymar, nique ta mère. Toujours un souci, toujours un souci à la relance, yo. Frérot, putain, arrête, yo, putain, mais yo, ouais, la manette va voler dans cette vidéo, certainement. Les gars, le souci de la relance, c'est ce souci que je veux pas, en fait, c'est que en vidéo, ça m'a parlé, d'habitude, je relance bien, dès que je fais une vidéo, je relance comme un trou du cul. Ok,
compliqué, il y a deux appels et celui du lead c'est le plus beau. Est-ce qu'il va la remettre là-bas? Oh, mais c'est pas possible. Sancho! Sancho, à quelle heure il est physique Sancho? À quelle heure il est physique Sancho? Eh, il est un peu physique peut-être, mais comparé à Gullit, non. J'ai spammé le bouton L2 les mecs. Et voilà, contre-attaque but, c'est ça que t'es en train de me dire? C'est ça que t'es en train de me dire? Non, y a rien. Ok, y a Mbappé côté droit, allez. Neyne, par Neyne, voilà, on va construire, hein, on va construire tranquillou, on va construire, il y a Ronaldo ici, Ronaldo revient derrière, quoique, on les a vus les appels, des joueurs, ça a failli faire mouche, on récupère le ballon, c'est bien ça, la récupération haute, attention, ne pas le perdre tout de suite, voilà, hop, frappe, let's go! Ronaldo les mecs, le number 9. Bien sûr, vous avez peur peut-être qu'il joue milieu central. Je sais que dans les commentaires, il y a toujours un qui me dit mais pourquoi Ronaldo MC, il joue BU les gars. Je joue en 4-2-3, mais je l'ai déjà dit au début tout à l'heure. Mais voilà, il joue BU bien évidemment. Ronaldo, je vais pas le mettre MC, wesh. Boum, 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 boum. Oui, le poteau rentrant. J'étais pas sûr qu'elle rentrait. 3-1 les mecs, avant la mi-temps. C'est le but qu'il nous fallait pour nous mettre le plein de confiance avant de retourner au vestiaire, les gars. 3-1, let's go. Kylian, voilà, c'est bien. Oh, Kylian, rate pas. Non, je tente jamais des lobes, j'aurais pas dû. Bien joué, ça. Oh, magnifique. Oui, non, le poteau extérieur. Ça n'a pas fait poteau rentrant comme tout à l'heure. Oh là là, boum. Ah, j'ai fait de la merde derrière. Vraiment, la dernière passe était pas bonne, mais l'action était jolie tout de même. La construction, comme d'habitude. Ouais, c'est magnifique. Oui. Bon, ça marche encore un petit peu, le timing finish, faut pas abuser. Et voilà, but logique, 4-1 les gars, Neymar, on est bien. C'est bien parti pour la victoire, mais on va pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Ouais, c'est magnifique ça. Oh, c'est magnifique. Oh, ça rentre les gars. Mais le yo, j'ai jamais été aussi fort. Cette équipe nous convient parfaitement. Ça a fait plaisir les gars. Bon, 5-1, est-ce qu'on peut dire qu'on a tué la peau de l'ours ou pas? Je pense que oui, hein, quand même là, faut pas abuser, hein. Non. Mais regarde, c'est nul. Y a pas de construction, c'est pas comme moi, c'est pas fluide. C'est nul comme but, frérot. Hop. Aïe. Oh, j'ai obtenu la première fois que j'obtiens un penalty, je crois, de cette manière là. C'était tellement nul, pas du tout voulu ce que j'ai fait, mais j'obtiens un penalty. Et j'ai appris un peu à tirer les penalties. J'ai profité de Krix qui est venu au local pendant une semaine, vous l'avez vu sur plusieurs vidéos. Il m'a appris à tirer les penalties. Donc normalement, je la mets à gauche. Boum. Je l'ai mis à gauche et elle est rentrée les mecs. Et ils voient pas ma tête parce que je tire au dernier moment. Et ouais, merci le cas. Ouais, voilà la petite réduction du score qui ne me gêne pas. En aucun cas, elle me gêne. 6-3. Voilà, fin du match. Fin du match, les gars. Une victoire 6-3 pour notre 13ème victoire en Foot Champions. Je vous ai pas montré le ratio, donc des fois, il y a des gens qui peuvent ne pas me croire. Je vous montre tout de suite. Voilà, la 13ème victoire. Après, pour le ratio, une défaite, t'as pas envie de me croire, mais crois-moi pas. Non, je rigole, regarde. 13 victoires pour 14 matchs joués. Et du coup, je sais pas s'il faudrait pas que je m'arrête là pour la vidéo. Allez, les mecs, vous avez envie d'encore un peu de gameplay, de qualité? Je vais vous le proposer. Y a pas de soucis, je suis gentil. Deuxième match. Alors le deuxième adversaire. Oh là là là, encore e-sport. Salvinus 95. Ouh là 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 là, on va taper son pseudo sur Foothead Thierry Champions. Ça va nous dire si c'est un joueur pro direct lui ou pas. Ah, j'ai une mauvaise nouvelle pour nous les mecs. Il est dans le top 100, il figure dans le top 100 Xbox. Il a déjà fait top 100 Xbox en tout cas selon le site Foothead. Voilà les mecs, allez, salut, la deuxième défaite. Allez, qui ne tente rien à rien les gars, hein. Faut bien perdre de temps en temps quand on a une équipe de porc. Ok, superbe, magnifique, super, il a bien joué le mec. Par contre là il a un corner et je déteste les corners, j'ai du mal à la défendre les corners. Je me prends trop de buts sur corner, vous savez pas vous combien de buts je me prends sur corner. De Bruyne, vas-y, allez, ouais Ronaldo t'es dessus. Ouais c'est bien Ronaldo, ah voilà, et ben voilà, on va se prendre le but sur corner habituel. Mais bien évidemment, oh oui elle est contrée dehors, mais par contre encore un corner. Non mais non, y a pas faute, juste une c'est bon, un coup d'épaule, c'est logique. Ben voilà les gars, le but sur corner non, mais le but sur coup franc oui. Alors là ben voilà, on va se prendre un but. De toute façon, tu veux que je fasse quoi? Putain, je peux pas, je sais même pas comment défendre là-dessus moi. Il va faire des appels avec des joueurs, il va frapper, aucune idée, il va faire une passe à son joueur à côté, il va frapper direct, j'en sais rien. On va essayer d'intercepter cette passe. Ah oui, Courtois, bien joué. Mais encore un corner de merde. Putain, mais c'est stressant, les mecs. Allez, ouais, vas-y, Hazard. T'es passé, mon petit. T'es passé. C'est bien ça. Super bien. Remets-lui. Frappe. Non, il tire à côté, Ronaldo.
Ouais, j'ai pris Ramos quand même, mon goal. Oui, elle est contrée, je crois. Mais encore un putain de corner, arrêtez les corners, putain de vrance. Et voilà, mais ouais, le but, ça... Ah, c'est bon, elle est sortie, les gars, on récupère le ballon. Ok, magnifique, y'a pas hors-jeu, je crois. Y'a vraiment pas hors-jeu du tout, même. Hop, en retrait, dans l'axe, et frappe. Yes, 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 1-0 pour nous, Néiné. Hop, hop, boum, let's go, Mbappé, les mecs. J'ai bien joué. Ce qui est bien, c'est que j'ai frappé deux fois, je pense. J'ai eu deux actions, des vraies actions, par contre, on peut pas dire le contraire. J'ai marqué deux fois, la finition était au rendez-vous. Plus besoin de timing finish pour marquer, ça, c'est cool. Ok, les gars, on peut avoir une troisième action avec un troisième but. Moi, je vous le dis. Je vous le dis. Let's go! Yes! J'ai même pas fait exprès pour le timing vert. Magnifique, les gars. Barre rentrante de Néiné. 3-0 à la mi-temps. Je te le dis, il va pas falloir lâcher cet avantage de 3 buts. Magnifique, les gars. Putain! Elle est parfaite, cette passe. Parfaite, cette frappe aussi. Imparable. Et Max, les mecs, c'est pas des blagues, hein. C'est bien Salvinus 95, mon adversaire. On verra à la fin du match. Bon, 6 frappes, 2 tirs cadrés. 3 buts, c'est bizarre, mais les gars, moi j'ai des vraies actions, hein, je sais pas. Bref, un match de fou, les gars, c'est stressant, mais il y a 3-0, 3 buts d'avance, faut pas de choc. Là, tu l'as, hein. Fais-moi pas peur. Toi aussi, fais-moi pas peur. Bien joué ça. Boum. Hop. Boum. Putain de go. Ronaldo, frérot, mais c'est quoi ce but? Là, je trouve qu'il est cheaté, mon putain de Ronaldo. 4-0, les mecs, ça sent bon, ça sent putain de bon, mais c'est que la 53ème quand même, je peux me prendre une remontada, je le sais, on va se concentrer. Ah, attention, oh, bien joué, oh, gardien, oh, Courtois, les mecs, c'est aussi l'homme du match, hein. Il a fait tous les arrêts qu'il fallait jusqu'à présent, hein. Tiens, on va faire pause, on va faire un ou deux changements, on va faire rentrer Ibra, c'est un peu de physique en plus que Neymar. Faut pas que je me jette, voilà, superbe. En plus d'être bon offensivement dans ce match, je gère défensivement. C'est magnifique. Oh là là, regardez les mecs, j'arrive à trouver des solutions. Oh là 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 là, vas-y, pousse-le Ronaldo. Oh, y'a faute, y'a grosse faute même. Oh les gars, ça mérite un jaune. Je vais pas dire un rouge, mais au moins un jaune, l'arbitre. Oh l'arbitre, sort le carton. Oh l'arbitre, il sort pas le carton. 81ème minute, 4-0, les gars, quand même, si je me prends une remontada maintenant. Il y a moyen que l'écran et la manette se cassent comme la dernière fois. Attention. Ouais, c'est bon. Eh ben, la victoire, la famille. 4-0. Et j'ai stressé un petit peu. Je pensais que ça allait être un match compliqué au final, les gars. 4-0. Donc, je vous explique, hein. Quand je vous ai dit au début, c'est un joueur pro. Non, c'est pas du tout un joueur pro. En fait, j'en ai aucune idée si c'est un joueur pro. Mais il a déjà fait top 100, certainement. Parce que quand tu tapes son blast dans Foothead-Champions, en gros, c'est la plateforme qui référence tous les Champions, les meilleurs mecs. Bah, il y a son blast qui sort. C'est-à-dire que tu tapes mon blast, il n'y a pas mon blast qui sort parce que je suis une merde. Je n'ai jamais fait top 100 de ma vie. Mais il y a son blast qui sort. Bah, je suis content. Hein. Si jamais, c'est un très très bon joueur. Beaucoup de tirs cadrés, beaucoup de tirs. Je vous aurais montré la plupart de ce qu'il a fait, les mecs. Je pense pas que c'est volé parce que franchement, mes actions étaient concrètes, étaient réelles. Et 4-0, wesh! Bah, bref, m'en bats les couilles si c'est volé ou pas. La victoire est pour moi et tant mieux. Eh ben, les gars, 2 victoires en 2 matchs dans cette vidéo. C'est magnifique. Cette équipe, je la kiffe. On verra si elle arrive à me faire franchir le palier de Elite 3 ce week-end. Bien que déjà refaire Elite 3 c'est bien parce que ça fait plusieurs week-ends que j'arrive plus à refaire Elite 3. Mais là vraiment je retrouve un plaisir. La nouvelle mise à jour m'a aidé également. Parce que bah, ça y est, le timing finish, c'était de la merde. C'est bon, ça m'avait saoulé moi aussi. Ouais, je le maîtrisais mais je préfère jouer au football quand même. Créer de réactions, voilà. Marquer des buts de manière différente tout le temps que tout le temps chercher son timing finish. Là c'est terminé ça les gars, donc je suis super content. Moi en tout cas j'espère que la vidéo vous a plu les mecs. N'hésitez pas à faire péter les j'aime, bombarder les j'aime comme jamais s'il vous plaît, comme never des never. Passez une bonne journée les mecs, c'était le gros Yo, ciao.